BR, une marque d'aujourd'hui, une marque de toujours. Le porc ibérique est une race autochtone et exclusive de la péninsule ibérique. Des milliers d'années de sélection naturelle ont permis à cette race de s'adapter à la vie en liberté et de profiter comme aucun autre animal des fruits des champs et de la DSA pour obtenir à partir de ceci d'exquis produits gourmets. La DSA étant des terres normalement racotées et destinées au pâturage. Chez BR, toute notre production de produits ibériques purs s'en tient rigoureusement aux exigences généalogiques les plus strictes. Plus de 25 000 m² couverts accueillent 2500 mères de race ibérique, origine de la production de BR. Leurs porcelets naissent dans les meilleures conditions possibles d'hygiène et de santé, avec toutes les garanties de la réglementation du bien-être animal et environnemental. En contrôlant le processus dès le départ, nous assurons notre succès. Nous élevons le porc ibérique dans son habitat naturel sur plus de 900 hectares en lui favorisant une longue vie puisqu'il se nourrit et évolue sur l'écosystème unique et protégé que représente la DSA. Le maïs, l'orge, le blé, le soja, l'herbe et les glands, qui combinés de façon magistrale, forment les intégrants naturels de l'alimentation d'un animal sain et robuste, âgé d'environ 16 mois et d'un poids oscillant entre 160 et 180 kg. Chez BR, pendant la glandée, période de l'année durant laquelle les porcs s'alimentent de glands, nous déplaçons nos ibériques sur les DSAs de Salamanque, d'Extrémadour, d'Andalousie ou du Portugal. Guijuelo, situé sur les contreforts de la montagne de Gredos à plus de 1000 mètres d'altitude et bénéficiant d'un climat unique présentant des hivers longs, froids et secs et des étés courts et doux, réunit les conditions idéales pour l'industrie des ibériques. Cette zone est dénommée le berceau du jambon ibérique. L'usine de BR à Guijuelo est une prodigieuse combinaison entre l'innovation et la technologie, le savoir-faire artisanal et la sécurité alimentaire qui permet des résultats de qualité et de garantie exigés en Espagne et dans le reste des pays importateurs. Dans la salle de dépeçage de BR, nous obtenons de chaque porc les deux jambons, les deux épaules, les deux filets de longe, le lard et environ 11 kg de viande maigre soigneusement sélectionnée pour l'élaboration de la charcuterie. La viande maigre étant une viande dépourvue de gras et de nerfs. Après le dépeçage, les jambons et les épaules passent par le processus clé de la salaison. Chez BR, la salaison est effectuée manuellement selon la recette basée sur la proportion du poids, sel et temps, qui en plus de la hauteur de nos séchoirs, 1050 mètres, donne comme résultat des jambons secs présentant moitié moins de concentration de sel que certains autres jambons. Dans les caves et les séchoirs, nous élaborons de façon traditionnelle des jambons, des épaules, de la charcuterie et des filets de longe à travers la régulation de l'air provenant de la montagne de Gredos et contrôlée grâce à l'ouverture et la fermeture manuelle des fenêtres. Les salles de charcuterie de BR sont équipées de chambres froides dans lesquelles la viande hachée, le sel et les épices sont stabilisées à basse température. Les pièces, une fois farcies et séchées pendant des mois dans les séchoirs en fonction de leur calibre, passent au fumoir. Jambon ibérique de Bellota procédant de porc nourri au gland BR. Grâce à un processus de séchage lent, entre 28 et 40 mois en fonction du poids et de la qualité de la pièce, ce jambon est caractérisé par son os fin, long et profilé par sa quantité adéquate de gras de couleur or et par sa douce consistance. Lorsqu'ils sont découpés, ils présentent une attirante couleur rouge cerise, une bonne infiltration, une belle marbrure, ainsi que quelques traces blanches et une brillance caractéristique de sa haute qualité. L'intensité de ces caractéristiques peut varier en fonction des différentes qualités que nous commercialisons par une production numérotée. Filet de longe ibérique BR. La douceur conférée par le lard, l'infiltration de gras, le passage par le fumoir, le tout accompagné par le piment rouge d'appellation d'origine de la Vera, sont la garantie de son goût exquis. Charcuterie BR. Réalisée à base de viande maigre soigneusement sélectionnée, un hachis de taille idéale,
la sélection des meilleures épices de notre terre et son goût naturel donnent comme résultat des chorizo, des saucissons et des andouilles de haute qualité. BR a su allier la tradition de l'élaboration de ses produits à l'innovation des emballages, des présentations et des formats. Un exemple serait celui du jambon ibérique des Bellota, provenant de porcs nourris au gland, coupé au couteau par des professionnels du découpage de jambon, avec des tranches de la même taille et de la même épaisseur, rangées à la main de façon attractive. Emballé sous vide pour la bonne conservation de ses propriétés, il est présenté dans un emballage traduit en plusieurs langues et avec des recommandations d'utilisation. Actuellement, BR obtient 20% de sa facturation grâce à l'exportation vers des pays BR est l'une des entreprises les plus récompensées lors de concours nationaux et internationaux de qualité. Une reconnaissance au mérite et à l'effort de son travail.